Mes amis, bonne fête de Noël à chacun et à chacune de vos familles, et à vous qui êtes isolés, bonne fête de Noël. Et cette fête, aujourd'hui, prend un accent tout à fait particulier, l'accent de la paix. Souvenez-vous que les anges ont chanté « Paix aux hommes que Dieu aime ». Mes amis, Noël, c'est le signe de l'amour de Dieu pour chacun de vous, mais aussi pour chaque être humain, pour toute l'humanité. Et voilà que nous sommes dans un temps où la guerre frappe, où les crimes de guerre sont connus, où il y a des hommes et des femmes qui pleurent, qui sont blessés, qui sont mis à mort. Mes amis, la fête de Noël, c'est aussi la fête de l'espérance de la paix. Devant, comme le pape François l'appelle, l'Ukraine martyrisée qui est symbolisée ici par les couleurs bleues et jaunes, par Notre-Dame de la Rouche qui est là devant nous, cette icône ukrainienne qui est présente dans cette crèche, c'est tout simplement pour dire que cet enfant qui vient, c'est le prince de la paix. La paix est toujours possible. Nous pouvons prier pour la paix. Allez visiter la crèche qui est dans l'église proche de chez vous. Emmenez vos enfants et vos petits-enfants. Allez visiter la crèche et demandez à chaque enfant, à chaque personne qui vient avec vous et à vous-même, demandez à Dieu la paix sur terre et la paix dans les cœurs, la paix dans les familles. Je vous dis simplement ceci, je me souviens de ce professeur qui m'enseignait quand j'étais séminariste et qui m'a dit « le drame des drames, c'est que des personnes veulent mettre la paix quelque part, mais ils ont le cœur en guerre, ils ont le cœur avec de la violence ». Ils ne peuvent pas faire la paix. Alors demandons au Seigneur Jésus qui vient naître en ce monde, qu'il naisse dans nos cœurs, qu'il naisse dans le cœur de tous, afin qu'il dépose dans les cœurs sa paix et que nous devenions tous des artisans de paix, des artisans d'espérance, des artisans de réconciliation, des artisans de joie. Belle et joyeuse fête de Noël à chacun et à chacune de vos familles et en particulier à vous qui êtes malades, à vous personnes âgées dépendantes, à vous qui connaissez une fragilité, à vous qui peut-être êtes dans la rue, vous qui souffrez de l'indifférence des autres, de l'exclusion. Paix à vous, joyeuse fête de Noël et je prie pour chacun et pour chacune de vous avec toute mon affection. Que Dieu vous bénisse.